Coucou les amis, aujourd'hui je voudrais vous partager une astuce que j'ai déjà testée. Quand vous n'avez par exemple pas de café ou bien vous pouvez le faire aussi à vie, peut-être c'est beaucoup moins cher. Du coup je vais vous montrer comment je le fais. Donc je vais d'abord enlever qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Là je prends mon bol parce que on va un peu salir. Je vais ouvrir ça. Je vais retirer le plastique d'abord ici au bout. Donc, je vais enlever qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ici. Là, je vais rincer. Donc, voilà. Après que j'ai rincé, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de filtre à l'intérieur. Donc, vous pouvez encore l'utiliser. Donc, là, je vais mettre du café à l'intérieur. Une fois que vous avez mis votre café dans votre capsule, vous allez là prendre votre papier aluminium. Et donc là, on va prendre un bout et il faudra le faire en deux. Donc on aura besoin d'un petit morceau comme ça et un deuxième. Ça, vous pouvez le garder une autre fois. Voilà. Là, on va le mettre dessus et on va bien serrer tout ça. Elle doit bien être serrée parce que dans l'appareil, il y a une sorte d'aiguille et elle doit vraiment savoir bien piquer à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va tester ensemble. On y va. Donc j'ai mis une capsule à l'intérieur. Je vais le fermer. Voilà. On y va. Donc là, vous avez votre café. Du coup, là, je vais l'ouvrir. Donc, je l'ouvre. Voilà, vous voyez ici, il y a eu un petit trou là. Donc, comme vous voyez, il est un peu abîmé. Donc, si vous le faites, le serrez le plus possible. Comme ça, il ne va pas rester coincé dans votre appareil. Donc, voilà, vous pouvez toujours faire vos cafés vous-même et garder vos capsules si un jour vous n'avez pas, surtout les dimanches. Donc, voilà, c'est une petite astuce que je voulais vous partager parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois.